Nous n'avons pas encore un travail pour tout le monde. Mais nous devons faire effort pour nous diminuer le chômage dans le pays. L'État n'a pas qu'à bailler tout le monde travail. L'État, ce n'est pas Wally pour bailler travail seulement. Wally, l'État, c'est créer conditions pour entrepreneurs et investisseurs venir faire business, créer entreprise, monter usine et faire projet dans le pays pour petit peuple qui a joint le travail. Et ça, la permettre l'État d'avoir une taxe pour bâtir l'école et l'hôpital dans tout le pays. Dans ce sens, j'ai rencontré le secteur privé avec plusieurs associations qui sont dans le secteur informel. Là, pour avec eux, comment l'État a accompagné eux pour renforcer eux. Pour eux créer plus de jobs dans le pays. Dans l'idée, ça, je voulais pour le gouvernement signer un pacte pour l'emploi et la croissance économique inclusive avec le secteur privé, une façon pour yo voir qui ça yo ka fait ensemble pour créer plus de jobs dans tout côté dans le pays. Nous connaissons depuis plus passé 10 l'année. Question salaire minimum là, c'est un casse-tête chinois lié entre patron et syndicat. Yo un gros problème. Bataille chaque temps pour salaire minimum monter. Patron, vous compris? Syndicat, vous compris? Dans le chemin de la paix avec l'unité nationale, vous avez cherché aujourd'hui. Il faut que vous rencontrez un danger entre syndicat et patron. Il y a une façon pour gagner un salaire minimum socialement acceptable, économiquement soutenable. Parce que ça, vous avez touché là, il n'y a pas assez. C'est une façon pour ouvriers qui a travail qui vivent plus bien. Et pour patron qui a entreprise qui a toujours bail travail avec petit peuple. Ça fait pour petit crack qui escombrit dans l'usine et factory. Pour question salaire minimum à condition de travail. Faut que ça finisse. Nous tous, nous sommes membres. Nous sommes mon seul pays. Nous tous, nous sommes haïtiens. Nous pas qu'à tout temps pour nous yon à battre avec l'autre sur des problèmes nous avons mis tête ensemble pour nous résoudre. Nous besoin la paix dans la famille. Nous besoin la paix dans l'entreprise. Et nous besoin la paix dans tout pays. Dans ce sens, premier ministre nommé, m'a demandé au gouvernement que vous pouvez le mettre pour faire tout ça possible pour un pacte social. Les CSSA fin publier les affaires salaires minimum pour un pacte social entre patron, ouvriers et syndical en le pays. N'a précisé tout, président République là, Jovenel Moïse, mandé Premier ministre Toméa pour prendre disposition pour faciliter l'imier fait sous utilisation l'agent Petro-Caribéa. D'après chef l'État, dossier ça a mérité traité sans parti pris. Président Jovenel Moïse mandé la Cour des comptes pour prendre responsabilité dans le cadre d'enquête si là, sans perdre de temps. Président rentre dans le micro Esaïe Aurelius avec Mobilité NH là. On nous suit. Dans le moment ça, map dit où... Tout gros dossier qui a mis suspicion sous le pays, tant que dossier Petro-Caribé, m'a demandé, pressé, depuis le Parlement fin bon vote sous politique générale, pour la justice, d'éclairer lumière sur tout dossier ça. Et pour éclairer les lumières sur eux, faut que la Cour supérieure des comptes fait travail. Parce que c'est pour nous clair, pour nous bailler l'institution, droit pour le travail, possibilité pour le travail. Parce que les grands dossiers nous précipitent, nous voulons faire persécution politique en dedans, les vins dangereux. Et pourtant, son dossier qui est important. L'argent pas qu'à dépenser dans le pays pour peuple
peuple a besoin qu'on comment pour l'argent dépenser et puis il y a des monde qui pique devant. Faut nous freiner. Faut nous connaître que dossier pour nous prendre gens doit prendre parce que monde qui pour payer pour innocent pas venir payer pour coupable pour monde qui mange poids, c'est pas eux même qui le bail la vie. Nous même nous dit nous pour lumière faite sous sac passé pendant 10 dernières années dans l'argent qu'a dépensé dans le pays. Surfacturation, concussion, trafic d'influence, trafic d'intérêt, conflit d'intérêt. Moi, pareil. Mais pour le fait, il n'y a pas de fait la persécution politique, premier ministre nommé, il n'y a pas de fait la chasse aux sorcières, il y a fait la sérénité, il y a fait la gens la loi mandé pour le fait. Ce n'est pas ni moi. Ni vous, ni on l'autre politicien qui a demandé qui j'en pour le fait. C'est la loi qui va le demander. Parce que son pays, côté chaque jour, un jour matin, on monde levé, il dit bon, regardez, tel monde va mal détruire. Parce que pourquoi il y a une loi pour ça, qui pour protéger le monde dans le pays. Et quoi, le parlementaire qui l'a aujourd'hui, c'est le rôle. Pour nous capables de protéger le caractère du monde. On ne peut pas décider quand on joue matin. Et puis, du taillon, on va mettre sur un monde, et puis on va la faire bien, et puis on va attendre pour aller. Ça, c'est pas un temps longtemps. Qu'on y a, faut que le monde soit capable de vivre, respecter le droit de l'autre monde. Assassiner le caractère du monde, son crime lié. C'est ce qu'il a vous dit. L'autre point dans le journal, la coordonnateur Commission nationale lutte contre drogue, la Lenaire Renault, dans tête collée avec l'ambassadeur OEA en Haïti, Cristobal Dupuy, annoncé une enquête nationale sur prévalence consommation de drogue dans la population, qui a commencé le 13 d'août pour bout de 29 d'août 2018, qui a venu là. Responsable, c'est une bonne initiative qui pourrait aider à combattre le phénomène de drogue là, dans le pays. En suivant un extrait. Le monde actuellement est en lutte contre la drogue. Contre la drogue. Lutter contre la drogue, il faut qu'on connaisse sa drogue là. On ne sait pas ce qu'est la drogue. D'aucuns disent que je prends cocaïne, je prends crack, etc. Mais pour lutter contre la drogue, il faut savoir véritablement quel type de drogue que la société utilise en général. Et ce matin, c'est l'aboutissement de cette réunion que la CICAD a organisée au Bahamas, en 2014. La CICAD, c'est un organe de l'OEA qui donne la main aux nations de l'hémisphère pour œuvrer ensemble afin de lancer un défi à la drogue. C'est l'occasion pour moi de remercier l'ambassadeur Cristobal, qui est le représentant de l'OEA en Haïti et qui a mis tout son savoir, tous les moyens techniques à la disposition de la CONAL pour que cette enquête soit une réalité. C'est un aboutissement d'un long travail de longue haleine qui a été mené depuis des années, depuis la réunion Bahamas pour en arriver où nous sommes aujourd'hui. Finalement, cette coopération qu'on a pu établir avec la CONAL, c'est une coopération qui est des meilleures, à mon avis. Le fait qu'on a pu transporter ce matériel ici en Haïti pour faciliter le travail que vous allez entamer me réjouit énormément. C'est la fin d'un processus, mais en réalité, c'est le début du processus qui est très intéressant, celui qui va aller du 13 au 29 août 2018 pour combattre ce fléau qui est très malheureux, non seulement ici en Haïti, mais également dans le reste de la région. D'où l'importance d'avoir ce genre d'enquête, avoir ce genre d'informations, parce que si on veut combattre ce fléau de la drogue, il faut avoir tous les outils nécessaires à notre disposition pour établir des politiques publiques pour combattre le problème de la drogue. Dossier justice dans le journal là, dans le cadre de la troisième semaine assise criminelle avec assistant jury qui a organisé dans la juridiction Port-au-Prince. Tribunal criminel l'a condamné Balthazar Richard pour le passer 9 années en prison avec travaux forcés pour assassinat à Yama 17 d'août là. Et l'autre bord, tribunal l'a libéré lui, jeune Vladimir, point du jour Henri et Peterson Linder qui était accusé pour assassinat. Tribunal criminel l'a disposé 3 salles d'audience pour déroulement assise criminelle avec assistant jury Kabout, vendredi 10 d'août, qui est venu là.
Journal là, Office Protection Citoyen critique et décision Conseil Université d'État d'Haïti prend pour organiser concours admission dans la faculté d'État yo, samedi à dimanche seulement. Protecteur citoyen Renan Hidouville explique foi religieuse que citoyen pas permettre de composer jour ça. John Herbie Casseus à Christelle Toussaint. Va dire nous plus dans un reportage. En suivant. Protecteur citoyen Renan Hidouville exprime préoccupation par rapport à la décision Conseil Université d'État d'Haïti prend pour organiser concours admission dans la faculté d'État jusqu'à samedi et dimanche seulement. D'après Renan Hidouville, il y a quelques dans postulants yo foi religieuse yo pas permettre yo participer dans épreuve yo dans jour ça yo. Le déroulement des examens de concours d'admission en week-end, le samedi et le dimanche, et bien lui poser un problème de droit de l'homme. Et c'est un sujet de préoccupation que nous-mêmes, en tant qu'institution de protection, de promotion des droits humains, qui travaillent sur la question des droits de l'homme, nous croyons que nous pas capables d'être indifférents. C'est peut-être ça que nous avons fait une prise de position, nous prenons prise de position sur cette question de concours d'admission qu'a fait au niveau et de l'Université d'État d'Haïti pour les différentes facultés. Protecteur citoyen rappelé, Haïti s'y implique à traiter à convention sous respect de droit à la liberté. Renan Hidouville déclaré, aucune institution dans le pays n'a pas qu'à forcer un citoyen faire un bagage qui contrait avec sa foi religieuse demandé. Responsable au PCA, encourager l'électorat UEH là, choisir un autre calendrier, cap bail tout le monde, même chance. Et nous-mêmes au niveau de l'OPC, nous, en réalité, nous souterrains, nous connaissons que les capables un peu difficiles, sont capables de divorcer avec cette pratique. Et parce que dans certaines facultés et dans l'université, donc organiser des examens et pendant ce maintenant, et ça n'a pas posé problème. Mais le déroulement des examens de concours d'admission en week-end, le samedi, le dimanche, et bien lui poser un problème de droit de l'homme. Dans une note pour la presse, rectorat Université d'État d'Haïti fait sortir, responsable UEHO dit qu'il n'a pas retourné sous décision. Il fait connaître l'Université d'État d'Haïti, c'est un espace laïque qui respecte croyances et orientation religieuse tout le monde. N'a pas rappelé, concours admission dans la faculté d'État a commencé samedi 8 septembre qui a venu là. Il a fini dimanche 30 septembre 2018. L'autre nouvelle, Bureau Régional Organisation Internationale Francophonie pour pays dans Caraïbes et Amérique Latine lance concours Hackathon Innovation Media pour 50 jeunes dans l'idée pour innover secteur production et diffusion information dans les médias. Directeur Bureau Régional OIF Caraïbes et Amérique Latine, Emmanuel V. Adjovi, fait qu'on ait inscription à bout 7 septembre cap vini là. Emmanuel V. Adjovi souhaite jeunes yo gain plus connaissance dans le domaine numérique là et puis prend habitude de travailler en équipe. En suivant précision dans le micro, Stéphanie Charles. Il s'agit en fait d'un concours d'innovation dans les médias. Et ce concours consiste à regrouper une cinquantaine de jeunes haïtiens pour que ces jeunes proposent des applications et des sites web et des objets connectés afin d'intégrer les technologies dans la production et la diffusion de l'information. Comment cela va se produire? Eh bien, il y a un lien qui existe et les jeunes en question doivent s'inscrire. Il y a un lien bit.ly/hackathonhaiti et on peut aussi retrouver ce lien sur le site de l'OIF et sur un autre site qu'on appelle le Media Labo. francophonie.org. Cela permet aux jeunes de travailler en équipe. Et vous savez que dans le monde d'aujourd'hui, les travailleurs isolés ne sont pas les gagnants. Donc, il faut donner l'habitude de travailler en équipe. Deuxième chose, c'est qu'on travaille dans le... Il y a une contribution à l'appropriation des technologies de l'information et de la communication. Le monde que nous vivons aujourd'hui, c'est le monde du numérique. Quel est le secteur du monde qui échappe à l'emprise du numérique? Tout est numérique aujourd'hui. Donc, de ce point de vue, les jeunes ont intérêt à s'approprier le numérique. Une opération multilatérale, une organisation qui accompagne le développement dans nos pays, a l'obligation d'accompagner l'innovation des jeunes dans les médias et dans d'autres secteurs. Napfon, dernier campé dans le journal là, restez avec nous.
Mais grand type qui était dominé journal ça, deuxième secrétaire bureau chambre député à Gerda Benjamin confirmé bureau chambre député a écrit premier ministre nommé à Jean-Henri Seyan pour demander de venir faire des pièces de Jean Constitution amendé à 10 à l'article 158. Toute disposition déjà prend pour reconstruire marché Cocoyer dans Pétionville qui est écrasé dans le tremblement de terre 12 janvier 2010. L'argent qui permet de reconstruction marché a déjà disponible sous compte Méria d'après magistrat Villa Dominique Saint-Roch. L'autre information, Commission nationale lutte contre drogue dans tête collée à ambassade OEA en Haïti a parlé pour lancer une enquête nationale sur prévalence consommation de drogue dans le pays. Enquête ça doit commencer 13 d'août pour bout de 29 d'août 2018. Kabini là. Office protection citoyen critique décision Conseil Université d'État d'Haïti prend pour organiser concours admission dans faculté au samedi et dimanche. Protecteur citoyen Renan Edouville explique foi religieuse quelques citoyens pas permettre de composer jour ça. Sous bon parle rectorat université a rappelé UEH là c'est un espace live pendant précisé concours a déroulé généralement dans week-end. Voilà donc, amis téléspectateurs, téléspectatrices, Télévision Nationale d'Haïti. Moi, ça va quand même l'autre effet essentiel du journal La Poisson. Livrez dans le bouclier, mettez branché télévision pour suivre cette programmation. Bonsoir tout le monde.